Hello les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la nouvelle maison du style. Et je farme les épisodes parce que j'ai vraiment envie enfin je farme, c'est quand même beaucoup dire, j'avance. Parce que j'ai vraiment envie de bien, enfin j'ai envie d'avancer dans le jeu et j'ai envie de vous filmer tout. Donc voilà. Ok, ça va, merci madame. La tenue en vitrine ne te plaît pas du tout. Ben ok, ben merci. Hein, va te pendre, hein, casse-toi. C'est bon, hein. Regardez celle. Donc j'aimerais une tenue pop qui aille avec mon humeur. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai très envie d'aller découvrir, d'aller servir des clientes au truc de maquillage. Attendez, je servis de cette demoiselle. Hein? Je vais m'y mettre. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Tout en jaune. À la plage. Avec du rouge comme ça. Ah ouais, c'est joli. Comme ça. Oui, c'est trop bien. Et le petit sac qui va bien. Et le petit collier. Les petits colliers. Les petits colliers, j'ai dit. Ça va bien. Oh, c'est pas mal, hein. J'espère qu'elle est moi. Ah ouais, elle est nickel. Ok, donc elle va à la plage Tropica. Je sais pas du tout ce que c'est, on découvrira ça plus tard. Oui, j'ai changé la mienne de perso, j'avais mis une tenue un peu girly, j'avais envie. Ah tiens, qui voilà. Salut. Genre ce que vous avez fait, cet endroit me donne envie d'acheter quelque chose, j'ai une ambiance que je vais faire ailleurs, je me lève aussi, c'est... Ok. Ok, donc elle, je pense que c'est quelque chose de plus féminin. Style. Féminin. J'ai pas mal de choses. Donc qu'est-ce que je peux lui suggérer? La petite jupe comme ça, avec les petits talons. Noir comme ça, la jupe. Ok, comme ça. J'ai un petit top noir comme ça. Ici c'est super chou. Et alors avec la petite truc gris. Ça fait un peu mamie, mais voilà, avec ça, ça rajeunit un petit peu la tenue. Est-ce que j'ai... Bon, bah voilà, c'est pas mal. Des petits bas. Bon, bah allez, c'est bon, allez, hop. Très bien, je vais essayer. Non, ça va, allez, ça fait très dame, ça fait très chic, madame. Ah, super. Je te remercie, mais j'ai autre chose à faire, madame, que d'aller boire un café. C'est très gentil, Eve, mais j'ai très envie plutôt d'aller m'occuper de mes clientes des salons de beauté que je n'ai pas encore découvert. Plus que ça, donc voilà. Donc, sans de coiffure. Ok. Ok, ben donc on va s'occuper des clientes ici. J'ai un catalogue pour vous, catalogue indispensable pour le visagiste. Vous pouvez y conserver les coupes que vous avez fait aux clientes. C'est très pratique, j'espère que vous en ferez bon usage. J'ai d'autres choses... Oui, oh, j'ai autre chose pour vous. Oh, une miniature catalogue. Oh, c'est super. Oh, c'est super. J'obtiens des miniatures en dessous pour décorer ma maison et tout. Oh, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Donc, on va s'occuper des clientes. Donc, on a ici une cliente, il y a Natalia, est en proie à une étrange obsession pour les pastèques. Vous avez une minute, en fait, je me suis trouvé un nouveau passe-temps. La lecture. J'aime surtout lire des romans à l'eau de rose. Deux êtres surmontant tous les obstacles pour être enfin réunis. Que c'est beau. Bref, je voudrais une coupe qui ne me gêne pas pour lire. Ok. Donc, allez me lire. Voulez-vous l'attacher? Oui, je n'ai pas envie d'avoir les cheveux dans les yeux. Ça me gênerait pour lire. Mais une frange peut-être...
Même une frange peut être gênante. Donc pas de frange. Vous voulez un chignon? Oh oui, c'est tellement mignon. Un chignon, les chignons hauts. Ou alors ne traînons pas. Allez, à vous de jouer. Donc frange, donc pas de frange, chignon haut. Donc elle aime lire, elle veut un chignon haut. Comme ça, et au niveau de la frange, ben, pas de frange. Donc regardez les amis, ça semble plutôt pas mal, elle est plutôt mignonne d'ailleurs avec ça. Donc, est-ce qu'on a des chignons encore plus haut? Non, ça me semble bien. On va lui laisser les cheveux comme ça. Ok. Est-ce qu'elle aime bien? Ah, elle aime bien. Super. C'est fou, c'est comme la coupe que j'imaginais. Heureusement que vous ne m'avez pas fait de frange. Je déteste avoir les cheveux dans les yeux. Beau travail. Ah, super. Et on se fait un petit peu des sous aussi comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut sauvegarder les tenues, ça c'est bien. Oh, il m'achète un ticket pour le défilé, c'est bien parce qu'il y a un autre défilé qui s'organise sur le... Je sais plus quel thème. Je sais plus quel thème c'est. Est-ce qu'il n'y a pas... Oh, il y a une autre cliente ici. Ah, une cliente que je ne connais pas. Bonjour madame. Manon. Je dis bonjour, je pars à la montagne demain. Me faire une coupe adaptée à l'escalade, s'il vous plaît. Bah, pas de problème. Donc elle met l'escalade. Que vous dit exactement? Je me suis initiée à une journée d'escalade, mais ce n'est pas parce que je vais grimper en montagne que je dois négliger mon style pour autant. Ce que je voudrais, c'est une coupe pratique pour faire de l'escalade. Bah, que vous avez des soucis plutôt? Non, j'ai pas de soucis particuliers. En fait, j'ai raconté à une amie que j'adorais l'escalade. Avant, je me rends compte, on avait décidé d'y aller ensemble. Hein, mon ami? Oui, c'est un garçon. Alors, en fait, voilà, ce serait vraiment super si vous pouviez me faire une coupe mignonne. Je ne sais pas trop si ça m'ira, mais... Ok. Qui ne me gênera pas. Et pas trop court, s'il vous plaît. Mais non, ok, pas court. On pourrait l'attacher, non? Oh oui, c'est une idée, si je m'attache les cheveux, ils ne me gêneront pas. Est-ce que vous pouvez me faire une frange super mignonne aussi? Je pense que vous avez assez d'informations pour commencer. On y va, ok. Donc, elle veut une frange... Et donc pas court, attaché et une petite frange. Donc la frange, on va peut-être pas faire une frange trop... Une frange comme ça, vous voyez, c'est une frange en fait avec des tresses, avec une tresse dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant c'est vrai que ça fait peut-être pas facile. Là comme ça au-dessus des yeux, enfin, là, ça s'arrête juste là, c'est bien. Attaché, pas trop court. Mignon, moi je dirais ça. Moi, je dirais ça, mignon, pour l'escalade, ça peut être bien. Je lui proposais ça. Mais à votre chose, oui, je m'en souviens. J'aurais plutôt vu une frange bien droite, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Elle aurait voulu une frange beaucoup plus... Alors, okay, elle aurait voulu une frange plus droite, d'accord, ok, pas de problème. On a d'autres clientes ici, qu'on n'est pas non plus. Dahlia, connaissez-vous Stage Dive? Oui. C'est une marque de vêtements de style rock. Je viens de commencer à apprendre à jouer de la guitare. J'aimerais bien faire partie d'un groupe. Il me faudrait un pantalon Stage Dive pour avoir un bon look, mais c'est pas ici. Ok, donc il faut que je m'occupe de mes cheveux, pas de problème. Bon. À part un look déchaîné, on part sur... Oui, la dernière fois que je suis allée à un concert rock, le public était déchaîné. Tout le monde dansait et sautait dans tous les sens, il y avait une énergie incroyable. Il vaut mieux que ce soit court pour que je puisse danser. Les cheveux courts. Ça vous dit une frange toute mignonne? Ça ne m'emballe pas vraiment. Pour tout vous dire, ce n'est pas le look que j'avais en tête, ok? Allons, passons en mode rockeuse. Ah oui, mode guitariste rock. Je maîtrise les cordes, il faut juste que j'arrive à me rappeler les rythmiques. Je dois me concentrer sur la guitare, je ne veux pas avoir une frange qui... Donc, je pense que vous avez assez d'informations, donc court et pas de frange. Est-ce qu'on lui fait une colo rouge? J'ai envie de tenter de lui faire des mèches rouges. Donc pas de frange. Donc court. Voilà, comme ça. Comme ça, ouais, ça c'est pas mal.
Voilà, comme ça. Ok. Et on va garder donc juste les mèches. Juste des mèches. Faire un dégradé comme ça. Je regarde un peu. Pourquoi est-ce que je peux pas faire plus rouge, plus vif? J'aurais bien voulu faire vraiment beaucoup plus vif. On va toujours faire ça. On va toujours lui proposer ça. Elle voulait pas de colo, mais. Je me dis que ça peut être chouette. Elle est super mignonne. Ah, elle aime bien. Super. Oh, elle est trop mignonne. C'est fou, c'est exactement la coupe que j'imaginais. Ok, bah, ah, bah, on a bien fait. Elle trouve que les mèches lui vont bien, donc ça, c'est super. Non, j'ai pas envie de... Enfin, ça me sauvegarde toutes les coiffures que je fais. Au revoir! Ah, salut! Tout va bien? Vous vous en sentez avec la coiffure? Je viens de rencontrer une fille très intéressante dans le parc, une fille haute en couleurs, si je puis dire. J'ai entendu dire qu'elle était vraiment douée avec les couleurs. Vous n'êtes pas rencontrée, je dis, vous devriez aller la chercher dans le parc, elle y est très souvent. Elle vous aura trouvé des couleurs qui vous sont utiles dans votre travail. Pour un coiffeur, c'est très important. Ok. Donc, on va vite aller voir cette jeune fille qui est dans le parc. Ah voilà, Zoé. Coucou, je peux vous prendre en photo? Oh pardon, je m'appelle Zoé. Je trouve que vos vêtements sont sympas. Ça serait dommage de ne pas faire une photo. C'est d'accord? Ouais, si tu veux. Oh, le petit chat en dessous, c'est trop mignon. Merci, elle est très jolie. Ok, d'accord, merci. Et ah, ok, c'était pas elle la truc en... Voilà, c'est elle la fille qui faisait des couleurs. Salut, salut, bien le bonjour et mes salutations. Je suis la meilleure experte en couleurs de la ville. La number one, la référence. Je suis aussi l'unique experte en couleurs de la ville, du coup, c'est pas compliqué d'être la meilleure. Ceci dit, peu de gens savent ce qu'est une experte en couleurs. Je vais vous expliquer. Si je trouve une nouvelle couleur sur une photo, je peux la rendre disponible pour le maquillage et les colorations. Oh, super. Comment j'ai fait ça? Désolée, secret professionnel. Enfin bref, amenez-moi une photo avec de superbes couleurs et je verrai ce que je peux faire. Tenez, prenez ça en gage de notre amitié naissante. Ok, j'ai une nouvelle application sur mon portable, ça vient de me dire. Bien, bien, que fait-on jeudi? Regardez votre palette de couleurs. Qu'est-ce qu'elle a comme palette de couleurs? Ok, donc je peux en débloquer vraiment d'autres. Ruby. Ok, je peux débloquer. Ok, c'est trop cool. Lui montrer une photo. Je vais tester avec les photos. Qu'est-ce que j'ai comme photo? Qu'est-ce qu'elle me propose par rapport à la photo que j'avais prise pour le défilé? Je n'ai pas trouvé aucune couleur de ligne. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est super. Lui dire au revoir, voilà. C'est chouette, on a débloqué ça. Donc, on va avoir plein de couleurs grâce à ça. Au niveau de l'application, je vais vous montrer. Voilà, hop, je vous montre les applications. C'est l'application Palette. Donc, voilà. Donc au-dessus, voilà l'écran du dessus et l'écran du dessous. Et donc quand je clique, et ben apparemment donc ça me montre plein de gammes de couleurs. Et donc j'ai plein de couleurs à débloquer. Donc c'est super cool. C'est super chouette. Bon. Je vais retourner un petit peu au salon de coiffure. On va encore faire quelques clientes. Hop, en dessous. Celle-ci. Oh, elle est trop mignonne! Virginie, je suis vraiment dans le pétrin, vous voulez savoir pourquoi? Notre école organise une kermesse et ma classe y jouera une pièce de théâtre. On m'a attribué un rôle masculin. J'ai donc besoin d'une coiffure appropriée pour le rôle. S'il vous plaît, venez, vous devez m'aider. Pas de problème. Vous jouez le rôle du héros? Oh non, c'est un rôle secondaire, mais tout de même. Bon, en tout cas, c'est un rôle masculin, il me faut une coupe courte. J'ai pas envie de m'imaginer pour une coiffure, mais il faut. Ok, d'accord. Vous ne voulez pas être attaché, on demande toujours. Non, je suis décidée à aller jusqu'au bout. Une coupe garçonne, ça ira. Garçonne, ce nom en dit long. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je ne crois pas pouvoir vous donner plus de détails, prêt à vous y mettre? Ok. Bon, on va couper ses cheveux, hein. Super court. Bah écoutez, moi je vois que ça comme coupe garçonne.
Coupe garçonne, oui, voilà, c'est vraiment ça. Hop, on va laisser tel quel et on lui coupe tout. C'est triste de couper autant de cheveux. J'espère qu'elle aimera. Oh, purée, elle est super belle. Oh, elle est trop trop belle. Ah, elle aime bien. Et par contre, je préfère avec ses cheveux plus longs, je sais pas vous, mais moi. Ah, tes cheveux longs vont me manquer. Coupe garçonne, ok, d'accord. Ah, cool, elle a acheté un ticket pour le défilé, c'est super. Nouvelle frange disponible, mèche ondulée. Super, j'ai débloqué une nouvelle frange. Donc apparemment, je débloque des trucs. Oh, regardez comme elle est trop mignonne. Oh, je vais m'en occuper, j'ai trop envie de m'occuper d'elle. Je suis au restaurant et nous venons d'embaucher un nouveau serveur. On m'a demandé de le former, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Du coup, j'aimerais une coupe de cheveux sans frange qui me donne un air un peu autoritaire. Pas de problème. Donc, voulez-vous une longueur précise? J'imagine qu'un look sérieux donne quelque chose de court, c'est préférable. Et puis, je n'aurai pas les cheveux dans les yeux pendant mes heures de travail au restaurant. À quoi ressemble votre uniforme? C'est une chemise blanche avec un tablier noir, c'est très tendance. Il y a autre chose? Le thème du resto est noir et blanc, mieux vaut que je reste dans la même ton du coup. Pouvez-vous me faire une coloration noire? C'est tout ce que je peux vous dire. On y va? Donc quelque chose de court. Je sais plus si elle voulait une frange ou pas. Ah, non, non, pas de frange, pas de frange. Donc quelque chose de court. Ok, start. Avec des cheveux noirs. Ça me semble bien là ce que je viens de faire. Elle a une frange toute droite, donc je pense que ça devrait aller. Ah, mince, pas de frange. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il fallait retirer la frange en fait. J'ai pas retiré la frange. Ah non, ça va, elle aime bien. Ah, elle est trop chou. Oh, elle est trop mignonne. Même comme ça, elle est mignonne. Cette coupe, c'est ce dont je rêvais tout simplement. Quelle bonne idée, les cheveux courts. Bien, je suis satisfaite. Super, les amis. Et c'est ici que je vais vous laisser. Je pense que dans le prochain épisode, eh ben, on ira. On ira dans le truc de maquillage pour un peu découvrir comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à pouce bleu, isez la vidéo, mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez apprécié, la coupe que vous avez le plus préférée, ce que ben, vous auriez peut-être fait à ma place. Donc voilà, des gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao!